Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les bons plans plantes de la semaine d'avant Noël. Donc du coup, encore des plantes à offrir pour Noël, mais pas que, il y a enfin quelques plantes d'intérieur qui reviennent pour décorer nos chez nous aussi. Donc on commence de suite avec Lidl. Donc j'ai vu qu'il y avait des plantes fleuries, donc on dirait des mini rosiers en fait, à partir de 2,99€. Il y a aussi des cyclamens, et sinon ils proposent ces mini rosiers, alors je pense que c'est des mini rosiers, hein, dans un pot argenté à 4,99€. Donc pour offrir, c'est quand même un petit peu plus présentable, ça reste hyper abordable et je trouve que ça fait un joli cadeau. Ils proposent aussi une composition à base de jacinthe à 9,99€ dans un pot en zinc assez, assez long, donc plutôt original et plutôt sympa. Mais si vous les voulez en coupe céramique, elles seront à 5,99€. Il y a aussi des palmiers d'intérieur à 5,99€. Bon, bien sûr, comme d'habitude, ils ressortent les orchidées de Noël. Donc vous le savez, moi les orchidées, j'en ai un petit peu ras la casquette. Mais ils sont quand même à 13,99€. Encore une fois, j'ai plus suivi le cours de l'orchidée ces dernières années. Mais ça me paraît un petit peu cher, 13,99€ pour une orchidée plutôt banale, hein, la Phalaenopsis. On passe ensuite chez Aldi où là il y a aussi des super bons plants, donc déjà des plantes grasses type Echeveria, et en fait ils ont bombé en mode cuivre, argenté ou doré. Non, la plante ne pousse pas comme ça dehors, au cas où vous posiez la question. Donc normalement les paillettes doivent partir à un moment donné. Honnêtement, je sais pas si ça peut tuer la plante ou pas. Je suppose qu'ils mettent une bombe spéciale, je m'y connais pas assez pour vous dire si ça craint ou pas. En tout cas, elles sont qu'à 2,99€ avec un joli pot. Ça peut être un petit présent comme ça en plus si vous êtes invité dans la famille, qui peut faire plaisir et qui est plutôt mignon. Là-bas, les jacinthes sont moins chères qu'à Lidl, elles sont à 2,99€. Bon, le pot est un petit peu moins joli, j'ai l'impression, et j'ai l'impression aussi qu'il y a moins de bulbes, mais bon, ça fait toujours plaisir aussi, et bah, c'est déjà sainte. Hein. Ils proposent également un bromélia à 7,99€. Donc le bromélia, c'est une plante avec une jolie floraison. On dit en général qu'elle ne refleurit pas, qu'elle ne fleurit qu'une fois, après il n'y aura que les feuilles, hein, qui restent. Je vous avoue, je suis pas non plus une spécialiste des bromélias, donc dites-moi si un jour vous avez réussi à faire refleurir un bromélia, ça m'intéresse. Elle est cette fois-ci à 7,99€ dans un joli pot rouge. On trouve également un poinsettia. Donc le poinsettia, on en a déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière et dans la vidéo de Ya. Là encore la semaine d'avant, puisque c'est la plante à offrir à Noël, on l'appelle d'ailleurs l'étoile de Noël. Donc là elle est à 6,99€ avec une taille à peu près de 30 cm, donc ça me paraît plutôt abordable au vu du gabarit de la plante. Et enfin, dernière plante sympa et fleurie encore, c'est un lys oriental. Alors de mémoire, ça a une odeur assez forte quand même, donc faites attention si la personne est migraineuse. Mais en tout cas, c'est une plante très jolie, à 5,99€, je trouve que c'est pas cher. Et puis les plantes fleuries, c'est toujours quand même très agréable à avoir chez soi. Voilà pour les bons plans de la semaine. Bien sûr, il y a aussi des bons plans, j'en ai vu chez Intermarché et Géant Casino au niveau des plantes, mais c'est vrai que chez Lidl, Aldi, ça reste moins cher, hein. Je vous avoue que niveau prix, il n'y a pas photo. Mais parfois, vous pouvez tomber sur des bons plans locaux. N'hésitez pas à les dire en commentaire si vous en avez autour de chez vous. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos de plantes ou d'autres choses. Salut !